Bonsoir à toutes et à tous. On est à Montastruc, la conseillère, pas très loin de Toulouse. Et c'est Cyril, Scanu et Pi qui organisent cet apéro Monnaie Libre. Et on est avec Claire et Yves qui ont gentiment accepté de répondre à quelques questions à cette. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Ben Yves, je suis retraité depuis 3 ans. Maintenant, et j'ai comme passion et ouais, le pain. Ça fait des années que je cherche à faire du pain, et voilà. Et Claire, en allant à Lavore dans une épicerie, a rencontré Alexandre, et petit à petit, ben, on s'est intéressé à la monnaie libre, on a essayé de comprendre, un peu étonné que ça existe. Mais surtout intéressé pour penser autrement, être autrement, voir les choses autrement. Et comme j'ai envie de faire du pain et faire de l'échange surtout, ben voilà. Et Claire ? Oui, moi j'habite Lavore dans le Tarn. Ce qui est important pour moi, c'est le partage, la fraternité, la simplicité. Et c'est vrai que lorsque je suis passée devant la boutique d'Alexandre, à Lavore, où c'était marqué « Première soirée monnaie libre », je me suis dit « ça c'est peut-être une réponse à ce qu'on cherche avec Yves ». Et c'est vrai que la première soirée, j'ai trouvé ça génial, je me disais « mais ça existe ». Il nous a fallu un temps pour essayer de comprendre, de voir toutes les finesses, mais en tous les cas, on était séduits. Et c'est vrai que le pain, on mange tous les jours, c'est aussi la possibilité de prendre un repas ensemble, de partager, de donner. Et je trouve que c'est vraiment enthousiasmant, et à chaque rencontre, à chaque monnaie libre, je trouve qu'il y a beaucoup de belles choses qui se passent, et ça peut être une réponse aux difficultés que la société rencontre actuellement. Je viens de comprendre, par la monnaie libre, je viens de comprendre ce que c'est que la monnaie dette. Et une monnaie libre, ça correspond plus à nos aspirations, à un échange, et non à un pouvoir que... que les États, que les banques ont sur nous, et qui nous empêchent justement d'être libres. Et on se sent de plus en plus étranglé, et de plus en plus, j'ai envie de dire esclave, de ce système qui nous asphyxie petit à petit. Et moi j'ai une belle valeur qui est le pain, et cette valeur-là j'ai envie de l'échanger. Petit à petit, on veut créer un réseau entre nous. Ça sera aussi un réseau humain et d'amitié. Et donc, j'ai trouvé, en arrivant dans la région, j'ai trouvé un agriculteur en bio qui fait une farine, qui tamise sa farine et qui vend au boulanger de Lautrec. Et donc, je vais lui chercher régulièrement de la farine et je fais mon pain. Et donc, ça fait 6-8 mois qu'on a découvert la monnaie libre, et j'ai envie de faire du pain en monnaie libre, voilà. Et vous allez le proposer, le diffuser sur l'Occitanie, ce pain ? On va voir comment ça va évoluer, sur Lavore, sur Toulouse. Vous le montrez ? Alors, c'est du pain, donc je ferai avec un levain lyophilisé. Après, je ferai avec un levain naturel, mélange farine et eau, c'est tout simple, tout simple. Et puis je mets un peu d'huile, ça l'adoucit. Voilà, sel, huile. Là c'est tout. Pour l'instant, je vais faire un mix 1,50€ et 40 joules ou 3,50€ le kilo. Voilà, c'est à peu près ça. Par contre, si je trouve un producteur en joune qui vend de la farine en joune, je ferai du pain et je ferai tout en joune. Voilà. Le but, il est là. Quel avenir vous voyez avec cette monnaie libre, pour terminer ? Moi, je trouve que ce que je trouve extraordinaire, c'est qu'une personne qui est vivante, qu'elle soit riche, qu'elle soit pauvre, jeune, en bonne santé, quoi que ce soit, elle existe, c'est une personne, elle est respectable, et donc elle aura donc des junes tous les jours qui vont tomber sur son compte. Donc ça donne une liberté et aussi la possibilité d'imaginer des échanges et de rencontrer des gens qu'on ne rencontrerait, pense, nulle part, quoi. Pas de cette façon. On ne pourrait pas les rencontrer, je crois. Ça fait du bien. Oui. L'état d'esprit est totalement différent. Oui, on est là pour échanger. Voilà, le terme partage et échange, il est important dans, dans,
dans la monnaie libre. Ce que ça deviendra, on ne sait pas trop, mais c'est plein d'espoir. Ouais. Voilà.